Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir choisi RFM. Parce que malgré la déroute, vous avez fait savoir que vous n'envisagez pas de remplacer Jean Castex. Avant toute chose, Madame Gosselin, l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'après cette défaite humiliante, ma première réaction était de vouloir virer l'autre naze avec son accent du Sud ridicule et son physique ingrat. Sympa. Et ensuite, j'ai réalisé que je ne pouvais pas, car je suis le Président de la République et pas celui de la Fédération Française de Football. Mais en ce qui concerne Jean Castex, je n'arrive pas à le jeter. Enfin, c'est un peu comme quand on a un vieux t-shirt préféré. Il ne ressemble à rien, mais on le garde quand même. Bref, je vais faire comme Monsieur Spano et mon vieux t-shirt. Je vais continuer à travailler tous les jours avec. C'est une bonne nouvelle. Après la débâcle des Bleus à l'Euro, on va se tourner vers des spécialistes pour pouvoir analyser la situation. Retrouvez tous les jours l'après-foot sur VMC avec Daniel Riolet et Gégé Roten. L'après-foot, c'est des analyses pertinentes. Non mais Daniel, on va pas revenir sur les choix à Deschamps. Bah, juste que moi, qui étais de niveau Ballon d'Or, bah, si j'aurais été sur le terrain, j'aurais rien lâché quoi. L'après-foot, c'est des débats constructifs. Non mais Jérôme, Dédé, il a perdu sa chatte. De toute façon, on peut dire que la chatte à Dédé, elle a bien pris sa gâtée. Oh les cons. L'après-foot, c'est priorité au direct. Allez, on retrouve un auditeur, c'est Kevin de Tourcoing qui souhaite réagir. Bah, je suis d'accord, quoi, les Bleus, c'est con, quoi, putain. Enfin, voilà, quoi, biloute. Et puis, merci Kevin, mais Didier Deschamps est en direct au micro de VMC, on l'écoute. Attends, Daniel, c'est intéressant ce que dit Kevin. En plus, il a dit biloute, c'est important. Oui, mais Didier Deschamps, attends, Jérôme. Oui, bonjour. Bah, il va attendre Didier un peu parce que Kevin, il a une bonne analyse et il a dit biloute, je te dis. L'après-foot, l'esprit d'ouverture, c'est tous les soirs sur VMC. Allez, on va respirer un peu, on va laisser passer une petite page de publicité. Carglass répare, Carglass remplace. Mon client, Kylian Mbappé. Il avait zéro impact dans les buts allemands, hongrois, portugais et suisses. Mais il avait un impact dans son orgueil, gros comme les espoirs de notre pays. Il est venu nous voir pour qu'on fasse quelque chose. Mais on a été franc avec lui et on lui a dit « Désolé, monsieur Mbappé, mais rien ne sert de courir, il faut partir ». Oui, je sais, je suis cultivé et je connais le proverbe « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Non, rien ne sert de courir, il faut partir tout court. Car vous êtes éliminé de la compétition. Donc, il faut libérer la chambre d'hôtel et il faut rentrer chez vous. Sinon, on appelle la sécurité. À bientôt. Oh, une belle publicité. Sinon, après la Bretagne, eh bien, le Tour de France est dans les Pays de la Loire aujourd'hui en Mayenne pour un contre-la-montre. Oui, ma chère Elodie, ici Jean-René Godard, direct de la caravane. Et pour l'instant, rien n'a signalé à part que votre patron, Stéphane Bosque, a de bons conseils. Il avait raison, il est super ce petit camping à Plougastel. On est ravis pour vous, Jean-René, mais attendez, ça veut dire que vous êtes toujours en Bretagne? Bah oui, je suis à la retraite, moi. J'ai autre chose à foutre que suivre des cours en vélo. Mais bon, si vous voulez des infos sur le tour, demandez à mon compère Jean-Paul Olivier. Salut, c'est Bruel. C'est moi qui le remplace. Mais entre les restrictions budgétaires et les questions d'environnement, bah, j'ai pris mon propre hélico. C'est plus écologique. Ouais, c'est un hélico bio. Quelqu'un veut goûter? Attaque! Attaque à l'avant! Pardon, mon cher Patrick, mais mon voisin d'en face attaque son premier écart de la journée alors qu'il est même pas 8h30. Je vous confirme, on est bien en Bretagne. En tout cas, je suis très excité à l'idée de faire le Tour de France. J'espère qu'à la fin de la journée, comme les coureurs, j'aurai le droit à un petit massage. Peut-être. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. Et un grand remerciement aux auteurs Romain Chélan et Yves Land. Marc-Antoine Lebray à 8h15, à 18h15 sur RFM pour le replay. La vidéo est sur Facebook et on continue la matinée avec Sia, College to Change. Et puis dans quelques minutes, on vous donnera un petit indice pour jouer avec nous au 2 sur 3 et repartir avec un cadeau.